أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله À la fin de sa sourate, là, chers frères, quand nous venons à la fin, après savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala finamine, ben rappel, comme ben avertissement, Allah subhanahu wa ta'ala amène ben réflexion à c'est-à-dire l'eau, la guidance. Connais? Après l'islam, plus grand cadeau qui un djimoun gagné, c'est Allah subhanahu wa ta'ala guide lui pour pratiquer le vrai islam. Si nous guide de nos jours, combien djimoun adhère à l'islam, je te lis à shahada, je dis au Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, je te modèle, je te messager. Mais seulement quand vous avez une action qui vous fait, nous ne pouvons pas dire une simple petite divergence, ou dire non, non. Une action, vous pensez que je suis dans l'islam vraiment inassa. Nous prenons un exemple simple. Comme je dis un chia, les temps où on trouve qui les 10 Muharram, ils prennent la scène, ils tapent l'eau lui-même, jusqu'à les saints lui-même. Oui, ça, on appelle l'islam là. Nous prenons l'exemple de ce qu'on appelle le Kadjani. Les temps où on trouve qu'ils ont dit où Imam Mahdi fini vini. Isa alayhi salam pas pour revenir. Tout ça, ben hadith qui nous dit là, je l'interprète dans l'autre façon. Vous comprenez ça l'islam là? Pour eux, quand je guette cet imam, ça qui est habitué à mettre sur photo là, tout ça, lui-même le Messie, ni fini, vini. Vous avez une bête d'envie de là, nous. On dit, vous posez question, mais c'est ça l'islam. Les temps de nos jours où tu as un groupe d'yahou comme ça, Imam Bukhari tient Djimoun pareil comme nous, les capables de faire errer, ben sahaba capable quand ils entendaient, on dirait qu'ils ont mélangé. Donc nous sommes contents, nous disons avec ça qui est à l'intérieur du Coran, pas pour Hadith. Donne-nous l'époque là. Je peux dire oui dans le Coran et n'a fait un amas, mais pas dire comment donc Djimouna est libre pour faire un amas, comment lui ouler. Vous pouvez trouver ça l'islam là? Ça que nous appelons le Coran Yun. Donc là, l'islam est long.
faudrait pas vous penser que quand Allah subhanahu wa ta'ala pour causer, il pour cause pas des quantiques n pour n. Non. Allah subhanahu wa ta'ala pour cause zislo sur le mustaqim, le chemin droit. Parce que ça n'est pas seul ça. Donc si vous ne trouvez pas l'eau, comment vous pouvez appeler si vous n'avez pas l'eau là? On vient prendre l'autre chemin. C'est pour ça que nous vous trouvons dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, « Minas dhulumati » il est nour. « Dhulumati » c'est le pluriel de « dhulma ». Il y a pluriel. Mais seulement Allah dit « il est nour » au singulier. Parce qu'illégalement, il y en a beaucoup ça, beaucoup d'ulmat il y en a. Mais seulement nour, qui fait Allah pas n'amener au pluriel? Parce que c'est un seul, celle-là. Parce que c'est un seul. Donc, quelqu'un n'est pas capable de dire où, non, celle-là, c'est vrai, mais. Quand j'en ai ici, bon, quand même, il y a un jour de ça. Vous connaissez, c'est menti. C'est menti. Oui, ou capable d'une différence, l'autre la fin de namaz, l'autre mazid, comme à nous, mais seulement quand il s'agit de ban principe de base, ça qui nous appelle croyance, ou dans le mot précis, akida, puis un compromis là. Si nous augmentons l'yasté, connaît ayat là, il descend pour ban Quraysh Makka. Mais seulement de nos jours, nous ne finissons pas comprendre nous. Quraysh Makka, le non-musulman, n'est pas pareil avec nous. Mais fini, Shaitan croise les bras. Non. Shaitan pour nous avec ban qui a des autres avec l'islam, pour faire nous gagner une facilité, pour qui nous quitte ça, un seul chemin qui est là. Donc, comment Allah subhanahu wa ta'ala dit à nous, Afamen yamshi, premier rouna vient avec nous. Nous, sakin suivi de Ye Fatha, main, rouna avec Idram. Mukiban ala wajhihi ahda amman yamshi derouna un après l'autre mim shadda ensuite un nun sakin suivi de yi encore nun la tombé sawiyan ala siratim mustaqim quatrième runa to un tanwin mim shadda livin runa avec idram. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous comme ça. Réfléchis un coup. Afamen yamshi mukibban ala wajhi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mort sur sa figure? Regarde comment Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple. De base, un djimoun qui morsi. Sur les pieds. Allah subhanahu wa ta'ala pas même dit le solami. Parce que le solami, on peut dire qu'il y a l'équilibre. Le so visage, le so figure, qui dit moun ka amorce le simi, le so figure, ça existe. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous comprendre, une personne, quand il prend un autre chemin qui est le chemin droit, il n'y a pas pour y'en a aucune orientation. Quand il dit moun ka peut amorce, quand il y en a pour sauter, il y a sauté droit, il y a contrôle lui-même. Même quelqu'un qui peut amorce la main. Mais un qui a une philosophie, comment il peut faire ça? C'est pour ça qu'on peut trouver un djimoun qui quitte la parole d'Allah, qui quitte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'état où tu vois, mais comment faire ça? Ou t'en dis histoires, raconte-tout. Ou t'en dis histoires. Nous prenons l'exemple. Pas prendre les poupées, sonne, hein? C'est un exemple ça. Quand il y a parfois de faiblesse, les temps, mes enfants viennent avec moi, disent-moi, pas aujourd'hui, mon anniversaire. Qui doit vous faire pour moi? Maïe là, papa, imam. Gosse, on va faire l'anniversaire. Tu viens faire l'anniversaire? Non, nous faisons l'anniversaire là d'après l'île. Hein? Allez pas, comment tu fais ça là? Tu peux écrire Bismillah là-haut? Je dis non, mais puis dans la bousille, et dans la gâteau? Non, mais pas mettre bouteille. Qui t'a mis? Mon médecin parle sur l'alcool. Vous mettez comment commence à couper tranché là? Nous prenons une photo. Vous prenez un petit contentement ça. Au fait, qui est arrivé là? Le fait qu'il quitte la base, parole Allah avec ce prophète. Le temps, il prend le chemin là. Il y a le morceau de figuier, même là, oui, non. Il roule là, il fait une orientation à se dire.
Il va pour une orientation parce que là, il faut commencer à imaginer quand on dit que chemin droit là, il finit tracé ça. Il y a 10 pour dire, ben, le prophète il dit qu'on fait l'anniversaire, combien de bouteilles il a mis? Le prophète il dit qu'on fait l'anniversaire, qui gâteau, la crème ou bien 10 cycles? Et tu finis avec son réponse. Il sème ça. Nous prenons l'idée au travail. Un demain, un frère puis envie de lancer un business. Les vignes, j'aime bien amener tel article. Qui vous trouvez? Où était l'article là? Halal? Et n'a quitté chose? Non. Parce que d'après quoi nous les proposons question? Est-ce que le prophète ne peut mettre ça? Les gars, sur réponse. Qui fait? Parce qu'il y a un seul chemin droit. Les gars, sur. Ben, le temps de quitter ce chemin droit là, il y a allé à se dire. Il commence à m'aider, même moi non. La même qui vous t'en dit, il y a déjà eu un droit à amener Peter, mais pas un droit à sonner. Parce qu'il la base, toi, tu ne disais pas qu'on t'aimait, Peter. Le temps dit comment ce qui chemin là, il y a dans l'autre chemin. Il m'a figuier là ou non. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ahda, tu trouves ça un plus guidé. Amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Comparé avec un qui, il y a un chemin droit devant lui. Lui, comment tu vous dis à lien qui tu dis à toi Allah qui dit ça. Le prophète qui nous fait ça. Comment Allah dit bien faire. Comment le prophète infini lui. C'est fini. Comme ça, jour qu'Qiyama, quand Allah subhanahu wa ta'ala pour poser les questions, mais qui fait ça? Ou Allah, mon y a sa ayat là, je vais faire ça. Ou Allah, tu as un hadith que le prophète dit ça, d'après ce hadith là, je vais faire ça. Fini. Fini. Est-ce que vous dites, oh Allah, je vais trouver comment on connaît dans mon époque qui m'a été, ou Allah, mais au courant, tu descends un petit peu avant ça. Mais dans mon époque qui m'a. Il faut commencer à interpréter ayat Quran, il faut commencer à interpréter hadith d'après ça. D'après lui, sur interprétation. D'après lui, sur interprétation. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a amené, chers frères, comment nous dire, il retourne en premier le ban Quraysh Makka. À cette époque-là, banna peut prendre une ban idole. Ensuite, je paye la route, je paye un chemin. Ça qu'un adoré de sa façon. Allah subhanahu wa ta'ala est amené un moment de réflexion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut mettre son visage? Veut dire, parfois, il est venu, il fait la masse, parfois, il n'est pas fait. Quand vous donnez une maguette, on dirait qu'il y a une orientation de ce dire, de ce principe la vie, il y a une orientation. Parfois, il fait ça n'a la plaisir, parfois, il fait ça n'a la plaisir. Au fait, comment tu prends le chemin droit, tu fais ça la plaisir. Le monde pas d'accord avec toi, pas de problème. Wa in tutur akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu pour te satisfaire, écoute, bandi moun lo la terre, c'est pour égorger toi de chemin Allah. Ça dit moun get sur kitchen de cette façon. Les temps saken pour commencer à dire de cette façon. Bon, vous écoutez tout ça là. Quand on dit que nous finissons de demander pour écouter qui ça n'a. Dit ça avec ce prophète. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il dit à nous Amman yamshi sawiyan ala sirati mustaqim. Le mot sirat chemin, l'yensel, lié au singulier. Mustaqim veut dire les droits. Le chemin droit, c'est ça même qui Allah subhanahu wa ta'ala amène nous pour demander 17 fois par jour. De surat al-Fatiha, quand nous dit Ihdina surat al-Mustaqim, quand nous dit surat al-Mustaqim, c'est quoi? C'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans surat 4, surat Nisa, quand il peut dire nous concernant le chemin droit, surat al-Ladina an'amta alayhim minan nabiyyina wa siddiqina wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, le chemin droit qui te fait faveur aux autres, parmi ban prophète, ban véridique, ban martyr, et ban bon du monde. Ça, c'est le chemin droit, chers frères. Veut dire, si un qui a dit qu'il peut suivre le chemin droit, il prend son exemple depuis ban prophète, depuis ban véridique, Abu Bakr, radiallahu anhu, depuis ban qui est martyr, Othman, Ali, Omar, radiallahu anhu, ensuite depuis ban salihin, ban sahaba, et ban qui vient, et ban génération qui vient après. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Et dernière chose, toujours nous rappelle le même chef, frère. À partir de là, nous prenons que trois ayats. Nous quittons ces trois ayats que nous prenons dernièrement. Nous lions dans le namaz. Nous prenons un, deux, trois qui suivent pour aujourd'hui et vendredi, Inch'Allah. Ensuite, nous faisons ces deux, trois ayats là, faire les 26 ayats pour nous rester réviser. Et ensuite, nous voyons, Inch'Allah, avec 19 premiers ayats qui nous finissent prendre. Nous pouvons arriver 25, Inch'Allah. Et pour résister 5 ayats, Inch'Allah, pour nous terminer. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.